notre objectif pour 2024, parce qu'il faut prendre des résolutions pour la nouvelle année. Avec le conseil régional, la préfecture a pris cette année donc, comme résolution de changer l'environnement de la ville d'Obok, d'abord. Comment changer donc l'environnement? Tout d'abord, bien sûr, la propriété. La propriété est l'affaire de tous. Mais nous, en tant que responsables des services déconcentrés, nous devrons être le moteur. Après, les gens vont nous suivre. Nous devrons être les modèles. Avec les associations, les locales, le conseil régional et la préfecture, nous allons entamer et mettre en place une stratégie pour avoir une ville propre. La préfecture mettra donc tous les gros moyens à la disposition donc, de l'équipe qui assure déjà la voirie dans la ville de Bok. Le deuxième thème est encore beaucoup plus large et beaucoup plus précis. Nous voulons changer Obok. Nous voulons que, avoir un nouveau thème cette année, Hayou Al-Khadra. Nous pouvons le faire. Chacun d'entre nous, chaque Obokois, plante un arbre, Hayou va changer. Nous sommes donc, vous maintenant, les services déconcentrés, nous devons planter, nous devons montrer le modèle à la population. Les associations ont adhéré au projet. Les locales et les chefs de quartier aussi ont adhéré au projet. Si nous tous, nous nous mettons à l'œuvre, je suis sûr et certain que nous pouvons faire avancer les choses. Bientôt, avec donc, Fatoum, nous allons dresser un plan de travail. Nous allons nous fixer une journée, mais pas seulement une journée seulement, mais il faut pérenniser cette journée. Il faut que ça devienne une habitude. Nous devrons travailler sur le comportement de la population, changer le comportement de la population, améliorer les choses si nous travaillons sur le comportement de la population. Il faut que nous travaillions en profondeur. Il faut que nous sensibilisions la population.